l'harmonie des pays. Bravo. Gilles Zwartkowski, le plaisir. Ah oui, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir à cette musique et on adore ce compositeur Yann de Meij. Donc c'était pour aussi donc pour nous un plaisir de pouvoir faire découvrir ce compositeur aussi donc aux téléspectateurs. Voilà. Merci, merci mille fois. Merci beaucoup et merci à vous tous aussi. Vous pouvez les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Alors là, on arrive un peu au bout de notre histoire. Un moment crucial. Je ne vais pas vous demander le résultat tout de suite. Simplement, je voudrais faire un tour de table avec vous, messieurs les membres du jury, pour avoir juste une impression globale en deux mots. Qu'est-ce que vous m'en dites ? Bon, d'abord, c'est l'enthousiasme que je ressens, le trac un peu perceptible, et c'est bien normal. Et puis, c'est une compétition, et on sent que tous ces musiciens ont donné vraiment tout leur cœur et à des niveaux d'interprétation de morceaux qui sont différents d'ailleurs, qui sont non pas déséquilibrés, mais dont les styles parfois conviennent mieux à certains qu'à d'autres. Mais ce qu'on a ressenti, c'est au moins une fois dans chaque morceau, on s'approche d'une lumière rythmique qui se communique au public. Enfin, je veux dire, il y a une grande vibration en tout cas. Arnaud, en deux mots. Oui, c'est du plaisir et on a vu à travers ces trois harmonies, ces trois finalistes, trois styles différents, trois styles de direction complètement différentes. Mais c'est un bonheur et un plaisir de voir vos visages lorsque vous jouez, de voir cette joie et ce bonheur et de voir le dos du chef de là où je suis placé, mais c'est un dos qui parle exactement. Non, Franck, avant que Franck aille mettre sa tenue de combat pour un dernier morceau avec Marcel et son orchestre, en trois mots des sensations, et pendant ce temps il y a Hervé qui va venir me retrouver, Hervé Brice, que vous pouvez applaudir d'ailleurs, Hervé qui est le directeur artistique de cette émission. Franck, Cela ne va vraiment pas être facile parce qu'effectivement les répertoires sont différents. On n'est pas il y a des répertoires un peu plus lyriques, d'autres plus rythmiques, etc. Donc c'est vrai que c'est très très difficile d'arrêter un choix. Je pense que ça va pas être simple, vraiment quoi. En tout cas, effectivement. Toujours le plaisir partagé, quoi, depuis le début de soirée, quoi. Merci Franck. Hey, c'est le moment de finir la délibération et d'aller vous changer parce que tout à l'heure on va vous retrouver avec votre groupe, Marcel et son orchestre. Hervé, d'abord merci pour tout. Merci pour ces 4 ans de plaisir en avant la musique. Le 16 mai à l'Olympia, qui va-t-on voir sur scène en plus de l'harmonie qui va remporter notre défi de ce soir? Alors, je voudrais tout simplement dire que l'aventure Olympia, ce sera une étape sur le chemin de l'innovation qu'on a lancé grâce à En avant la musique. Ce sera organisé dans le cadre d'un monde en fanfare. Il y aura des événements aussi dans la région, parce que la région ne sera pas oubliée. Il n'y aura pas que l'Olympia, il y aura le Pas-de-Calais, il y aura le Nord, il y aura qui pourront découvrir aussi ces mixtes entre les chanteurs de variété et les orchestres d'harmonie. Et là-bas, il y aura 4 chanteurs qui seront accompagnés par plusieurs harmonies de la grande région du Nord. Quoi. Voilà, alors on sait déjà, il y aura la grande Sophie, on sait que Clarica va venir. Il va y avoir un disque jockey étonnant qui s'appelle DJ Zebra. J'ai tout dit, il m'en manque un. Voilà, il y aura sans doute Thomas Fersen. Oh, très bien, affaire à suivre. Quelques moments de bonheur. On appelle ça un bêtisier, on peut pas s'en passer, nous sommes à la fin de l'année. Voici quelques moments choisis du bêtisier d'En avant la musique. Non, c'est pas. Ouais, si, allez-y. À fond. Ah, voilà. Ouais, c'est dur de faire de la musique. Hein. Ah, voyez, non, mais voilà. Vous allez pouvoir venir avec nous à l'Olympia alors. Voilà, tout là. La sirène. Ah oui, ça me remémore. Non. Ouais, non, je suis pas du tout dans la tonalité. C'est pas ça. En plus de tout le reste,
C'est à quelle heure tu vas à tes cours, toi? C'est le vendredi soir. À quelle heure? Bah, je te l'ai déjà dit, à 5h30. À 5h30? De 5h30 à 6h? Mais pas tout le temps, puisque je ne peux pas tout le temps. Ah bon, donc c'est moi qui soigne tes enfants, et toi tu vas au cours. Voilà, ah, maintenant j'ai bien compris pourquoi je ne pouvais plus aller au cours. Quel cours? Bah ouais, moi j'ai pas de cours parce que j'ai les enfants soignés. Bah tu pouvais pas y aller au cours. Bah si, pourquoi j'aurais pas été au cours? Donc je prends des cours le vendredi soir, de temps en temps, mais pas à chaque fois. Un règlement de compte ici. Voilà. Alors Joël, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien Arnaud, c'est la petite touche finale. C'est les mouettes, c'est le vent dans les oreilles, c'est les galets qui roulent, c'est les vagues qui éclatent sur le rivage, c'est tout ça. La musique, oui, mais pas la musique jouée par l'homme. La musique de la nature. Désolé, ça fait couillon. Merci, Pascal. Ça fait couillon, quoi. Ils vont se foutre de ma gueule, vous êtes dégueulasse. 3, 4. Petite dente à côté. J'ai une sur deux. Bah ouais, mais suis le rythme. Écoute-moi ce que je joue. Je vais pas tout assez. Bah, je sais pas, mais ça va pas. 3, 4. Non, mais compte le tempo, tu l'as pas le tempo? Non, pas dans mes oreilles pour l'instant. Bah je vais faire 1, 2, 3, 4, comme ça tu l'auras. Allez, au moins ça, pour nous détendre. On arrive au moment fatidique. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir nos trois chefs d'harmonie. Avec beaucoup d'applaudissements, vous, le public, ici, à Roubaix. Gilles Zwartkowski. Et puis, Philippe Lemaire, Lincel. Et Vincent Meurin, la Gorgue. Messieurs, je profite de votre présence et de la chaleur du public ici pour remercier aussi toutes les harmonies, les 24 autres qui étaient sur Internet et qui ne sont pas venues en finale. Je voudrais beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît, maintenant. C'est maintenant, vous allez voir qu'on est vraiment une super production, car au moment où je vais demander la parole à notre président du jury, président d'un soir, il va y avoir un roulement de tambour. Alors, quelle est l'harmonie, Jean-Claude Casadesus?